Chers amis, bienvenue dans une nouvelle édition Sport CPAM. Nous comptons avec vous pour l'édition aujourd'hui. Dans la Coupe d'Europe, nous gagnons des surprises. Et dans la Coupe américaine, nous connaissons l'équipe Brésil là, les jouer. Tout le monde a attendu une victoire de l'équipe Brésil là. Il était dit en pile bagaille de Brésil, mais Brésil va arriver à défaire les deux équipes à Costa Rica. Couleur locale, équipe haïtienne là, au niveau senior garçon, il prend 4 points dans le classement FIFA. C'est à cause de deux victoires que il fait dans la Coupe du Monde éliminatoire, bien sûr. Et deux matchs, et Haïti a gagné, genre que nous connaissons les gains. Et puis, à Cronor, tu as rencontré avec des clubs de football féminin pour finaliser les licenciements. Est-ce que c'est point que Cronor a marqué? Ou bien c'est pas qu'on a marqué sur place. Et nous comptons ensemble avec vous, nous comptons que vous avez fait Sport CPAM grandir, nous prenons échelon et continuez à abonner, partager mes channels Sport CPAM. Donc, on a commencé avec couleur locale, équipe haïtienne, elle prend 4 points et dans classement. Et dans le classement FIFA, et c'est comme ça, depuis WAP gagne, WAP monte, et WAP perdu, WAP a descendu tout. Donc, équipe haïtienne, les garçons, et catégorie A, équipe senior là, et donc, li prend 4 points. Et donc, équipe haïtienne, 91, maintenant, yo en 87e. Au cas dit que 87, c'est pas rien, mais l'aime considérer gagner des équipes qui jusqu'en bas net. So, et nous capables de dire c'est une bonne chose. Donc, ça pour équipe haïtienne, en fait, c'est continuer gagner. Et là, que on prend place, on va plus bien classé. Donc, on va gagner puis bon classement tout. Le que on va jouer en série de matchs qui a plus paraître à la portée ou donc puis bien classé dans un chapeau ou peut-être de série et tout ça c'est avantage. Donc et nous souhaiter que l'année prochaine l'équipe un senior, les Grenadiers a venu jouer deux autres matchs qu'il y a qu'un pour jouer, il y a qu'un deux victoires encore et ça a fait au grimper beaucoup plus dans le classement FIFA. Couleur locale, équipe football féminin, ils ont rencontré avec un Connor. Pour yo et joindre toute directive qui s'appuie au fait sous affaire licenciement des clubs. Et donc, est-ce que c'est point que Kono a marqué ou bien est-ce que c'est pas que Kono a marqué? Marqué pas sur place. Les gens qui étaient dans le scout, nous connaissons ça, ça veut dire, les gens qui sont dans le Et donc, la dernière réunion que Connor t'a organisée, et environ 3 mois de cela, Connor t'a dit qu'il y a un projet pour lui développer le football féminin et pour les 3 prochaines années. Et nous t'a dit que est-ce que ça n'a attribution de Connor, puisque Connor t'a supposé et remettre les en fin année. Mais non pas, ouais, ça bagaille comme ça a semblé, parce que bagaille comme ça a fait élection, pas parlé du tout. Tout le monde était là tout doux, il n'a pas parlé de élection. Donc, Connor dit l'a fait football féminin, hein, comment chercher stratégie, les meilleures formules pour le tafeli développer. Mais ce n'est pas ma attribution, mais je pense que dans la même réunion, ça, Connor n'est pas venu avec licenciement des clubs. Il n'est pas venu ensemble avec lui, mois passé, jour passé. Et puis, au cours de week-end, ça, et Connor vini, il dit que il était en réunion avec des équipes et de football en féminin et pour être capable finaliser et à faire licence là et équipe ça yo gagné jusqu'au mois d'octobre pour être capable Jean pour météo pour être capable et finaliser à faire licence ça et donc nous pensons que Connor, t'es capable de faire mieux que ça? Est-ce que Tiki Jean n'est pas conscient que mesdames, ils ont été trop longtemps depuis au pas joué?
M pa di ke lisans pa important, men mwen panse ke fè mèdam yo jwè, se ta dwe priorite ko nor. Yo terjiverse, yo prokrestinate, yo fè tout sa ke yo vle fè, e pi yo ap make pa sur plas. Pendan se tan, mèdam yo pa an kompetisyon. Eske ko nor ap tan oktob pou li ouvri kompetisyon pou mèdam yo, ou bien, et ça dans à cook, j'allais dire ça, what is cooking, ça qu'a quitté nos pas connaît. Donc on attend pour nous voir qui ça connaît et combien de temps la prend avant que les Vindi et ben ils pourraient faire un championnat spécial pour les femmes. Donc les mêmes équipes qui étaient dans réunion ça, réunion virtuelle avec connaît, c'est Tigresse, Amazon, Exafoot, Surf Paloma, Amazon, Aigle Brillant, Real Jongleuse, et Wanamette, Fort Liberté, AS Truitier, Valentina. Donc, c'est équipe Sayo qui te répond avec et rencontre de Conor, mais virtuel, gens que li yo prend habitude faire li ces temps-ci, mon organe rete ou côtoyer et puis ou des zoom, merci technologie. Donc c'est comme ça, donc nous espérons que Conor lui-même l'a fait, gens pour le faire pour que été a pas passé, pour que mesdames yo ta retourné en activité parce que c'est déjà trop long. Donc on te dit que et Conor pas montré que li et ça que Coventina a fait dans saison ça avec Lyon, ça t'a dû motiver nous pour nous travailler beaucoup plus avec mesdames yo, parce que nous avons venu en côté que y a venu chercher joueurs, y a venu puiser joueurs, et puis c'est débouché pour PIA, ça bah non parce que c'est athlète nous mettent d'il faut, c'est athlète qui pis bien représenté en Haïti, donc hein, et ça a fait que Haïti les gagnait et on l'a bagaille positif pour le dire de lui-même et puis si mon youtube y a sorti n'a fait pas bon donc c'est comme ça n'attend qu'il le compétition a ouvrir au nord licence là important mais n'attend qu'il le a ouvrir compétition pour mesdames yo. Donc dans Coupe d'Europe nous connaissons comment et bagaille yo a pas déroulé et gagné des surprises surprises très certainement parce que nous pensons que l'équipe française là, avec vedette Mbappé, tape Vini là, il fait le plein. Et, mais c'est à l'arraché que la France li joue un ticket pour y aller en deuxième tour. Et c'est pas seulement la France, hein, et l'Angleterre aussi. Et donc, et du même coup, match nul que l'Angleterre et fait face à l'équipe slovénienne. Slovénie, du même coup, vini marquer l'histoire. C'est la première fois que Slovénie a pas passé tour préliminaire pour y aller jouer deuxième phase, hein, soit les huitièmes dans deux finales. Donc, et à part deux équipes Espagne qui fait le plein, donc l'autre couleur était pour jouer toujours, gagner et toute équipe pour fin jouer dans toute couleur. Donc, c'est équipe Allemagne, hein, il a perdu un seul point, il a perdu deux points, pardon, il gagne 7 points. Suisse finit avec 5 points, Hongrie 3 points et Écosse 1 point. En parlant de l'Allemagne, pays organisateur, et bagaille pas trop bon pour lui face avec équipe Suisse là. Équipe Suisse là, avec un peu plus de réaliste, capable de mettre deux équipes allemandes là à terre. Italie aussi, hein, parce que l'Italie montrait que c'est dans arrêt de jeu que yo joue un goal qui sauvait. Et donc, on a dit, Italie sauvait les eaux parce que l'équipe. Équipe
Albanien t'a mené sous eux-mêmes et que en fin de rencontre, ils joignent un goal pour yo égaliser. Et c'est un gros poule. Donc, mais Italie, champion en titre, il va passer quand même. Mais Espagne, lui-même, il fait le plein, il bat tout le monde. Et quand on est en première position. Angleterre pas de gagner une partie trop facile. Yo concédé un match nul face à Slovénie. Et donc, du même coup, équipe Slovénie a fait histoire. Première fois que arrivé dans une phase comme ça, dans compétition de Coupe d'Europe. Donc, Angleterre était un peu à court d'inspiration et manquant de réaliste malgré l'effort que Harry Kane fait, mais il n'est pas arrivé capable délivrer et sous équipe anglaise là donc parce que ces victoires là que tout le monde a dévisé donc là au fond match nous considérons ça comme une demi-victoire pour une demi-défaite pour une autre et donc Angleterre avec un 5 points et Danemark avec un 3 points et donc et Slovénie lui-même lit avec un 3 points donc ex aequo avec Danemark donc et récente compétition li annoncé li pour li intéressant et dans groupe D dans groupe DA nous gagnons Autriche qui a 6 points contre toute attente il y a monde qui t'attend que c'est la France qui finit en tête au grand marché bat tout le monde parce que le nom gardé groupe et française là équipe française là et on t'a dit on n'est pas semblé rien ok mais quand même avec un Hollandais qui toujours répond au rendez-vous et Anissa Pologne pas vraiment à point et avec attaquant vedette li Lewandowski réserviste pour le premier match. Donc, il est sorti jeudi, il jouait, il montrait qu'il était grand goût, il était soif pour lui jouer. Donc, et malgré la folie, donc c'est sous pénalité, pénalité à la donne tout. C'est une pénalité qui sauvait équipe en Pologne. Hein. Donc, malgré demi-victoire, ça. Équipe Pologne hein, avec un point, donc la obligée aller la Kylie Bonner pour cette dernière grande compétition pour Lewandowski. On est-ce que tu as dit que il a fini ensemble avec les la Coupe du Monde, non, mais c'est pas certain. Donc, pour service que l'équipe polonaise là, donc il est capable. C'est comme une faveur. Mais c'est un petit monde qui pourra le payer pour casser. C'est un petit jeune qui pourra le payer, faire les frais, si que vous avez venu ensemble avec lui. Du même coup, bon, équipe Portugal, là, il a 6 points, il gagne au dernier match. Donc, groupe E et F, ils ont gagné pour yo jouer le dernier match. Yo. Et donc, gagné. Copa América tout qui a fait actualité. Copa América déception dans le camp des Brésiliens. Équipe Brésil a match nul face à Costa Rica depuis quelque temps. Costa Rica a vraiment pris galon et c'est pas première fois que les mettent Brésil en échec. Mais fois ça avec un pléiade de deux joueurs vraiment intéressants que l'équipe Brésil l'a gagné année ça nous pensons que Brésil était capable et montrer que les supérieurs de plusieurs coudées à l'équipe en Costa Rica manque de réaliste hein? Puis une fois monsieur cafouillé devant goal là et mais quand même c'est déception quand même pour les Brésiliens. Donc, on a parlé de Copa América à prêter. Donc, on y a là, observateur, qui ça que il a pensé, c'est question qu'il a posé, c'est si toute bagaille continue, et chant que la continue,
t'as gagné un possible Argentine États-Unis. Et donc, et ça que observateur yo journaliste en ESPN yo constaté, c'est que l'écart entre équipe américaine et équipe argentine est vraiment énorme. So, et possibilité, c'est peut-être là que vous faites considération ça, yo, les jouer sous mental joueur football, yo, parce que là, on dit que chance, pour que l'équipe américaine arrive en finale de 15%. Donc, ça va le fouetter et orgueil. Des fois, c'est sciemment que le journaliste là, il fait une série de commentaires pour piquer, parce que c'est des Américains quand même, pour piquer moral un joueur américain. D'autant que Polichit te dit, année ça, c'est le temps, Miami, pour nous casser, le temps pour nous montrer ça que nous voulons. Donc, si tout bagaille continue à marcher, j'en ai marché, il y a forte possibilité pour que les États-Unis rencontrent avec États-Unis en Argentine. Mais, et ça que. C'est que fossé entre deux équipes, ça bien que l'équipe américaine t'ait montré nous en première sortie que yo gagné football, mais quand même, en face avec Argentine, avec toute pléiade de joueurs, ça nous, 90% c'est champion du mondial. Ça va le faire et yon vraiment un challenge. Pour l'équipe américaine, là, étant que pour les Chiefs, dit face à Argentine, si vous arrivez à jouer face à l'équipe championne en titre, c'est vraiment un moment pour l'équipe américaine là, montrer qui ça que vous gagnez dans Diakoucho. Mais nous pouvons là, et compétition a continué. Et Argentine, aujourd'hui, mardi, a gagné pour y jouer deuxième match. Et comment et ça pour le sortir? Équipe Argentine, en tant que équipe qui champion en titre, l'a besoin pour le montrer et imposer droit li. Et pour lui capable montrer que lui c'est leader dans Sud-Amérique là, dans Amérique là tout simplement, et pourquoi pas dans le monde, parce que nous connaissons que c'est champion en titre que y a au niveau mondial. Donc, nous connaissons que Sonia Bonpasteur, qui c'est ancien entraîneur d'équipe Lyon, hein? Il quittait Lyon pour y aller à Chelsea. Donc, il gagnait un remplaçant. Remplaçant, c'est un Australien. Donc, monsieur Vini pour lui continuer travail que Bon Pasteur, Sonia Bon Pasteur, t'es commencé à. Pour qui ça n'a pas fait plus, parce que Anissa, tant qu'on connaît l'équipe Lyon, pas arrivé champion. Donc, c'est Joe Montemuro, c'est monsieur qui vient remplacer Sonia Bonpasteur. Sonia Bonpasteur qui est champion avec l'équipe Lyon comme joueur et comme entraîneur champion d'Europe. Et Sonia a presque fait toute classe dans l'équipe. Équipe Lyon, hein? Donc la publicité, il n'y a pas de raison, yo, et peut-être que il joue un plus bon offre, ou bien tout, il dit bon, bagarre pour me prouver encore dans l'équipe Lyon, j'ai besoin de champion, pas de champion, donc il est allé vendre talent et de l'autre côté, mais Sonia fait classe d'entraîneur dans l'équipe Lyon. Hein? Donc c'est Monsieur Sarah qui a venu remplacer équipe comme manager Sonia Bonpasteur à l'équipe de Lyon. Donc équipe Lyon, nous connaît, c'est une équipe qui 8 fois champion du monde. Donc Sonia Bonpasteur, il fait classe de joueur, il classe d'entraîneur dans équipe Lyon. Donc maintenant c'est moment pour lui aller montrer qui ça que lui cabaye. Donc Coventina, nous connaît, quitté de passage aux États-Unis, plus précisément en Floride. Donc, qui t'est fin habitué avec Madame Bonpasteur,
Donc, li pral adapte li avèk on lot coach, on lot coach ki pral bali lot assignment, ki pral bezon ke jwè lot jan, paske tout antrene pa vini pou jwè mèm jan, li gen dwa meto ton lot program. Donc, maintenant, si en tanke profesyonel, Coventina ap oblije adapte li a ekip avèk a program ke Joe Montemuro ap vini ansanm avèk lè. Parlant de Coventina, pendant le passage au bois, il était bay un intéressant interview à Tony Mix. Donc, comment tu as dit, il était très difficile pour lui, pour le pendant que le blessé à Kounia, c'était penser comment la retourner dans haut niveau, yon bagay qui pas du tout facile pour jouer au football, yo, loko blessé, puis retourner au haut niveau et même au plus haut niveau. Et ce que Coventina t'a fait, parce que nous, ouais, le retourner dans la Coupe d'Europe là et dans le championnat de France, qui ça que l'été réglé. Donc, il pas du tout facile. Nous, ouais, que ça dépend de quelle blessure qu'on gagne. Et il prend plus de temps pour rééduquer mon blanc, bah, les flexibilités que le gagne et pour pas rechuter encore. Et l'autre à sauter à rechuter, la vine est très difficile pour guérir. Donc, Dieu merci que Coventina retourne après blessure li au plus haut niveau. Donc, maintenant, il va falloir que li adapte li avec le nouveau entraîneur. On va voir ce que cela va donner. Chers amis, c'est sous ça que moi quitté ou pas oublier en dépit des circonstances. Gardez le sourire. Continuez à aborder, partager Chanel Sport CPAM. À tantôt. Thank you.